Et ce mercredi matin, on parle de ce livre enquête qui s'intéresse au brouteur, Faouzi. Oui, le brouteur galant, manuel de l'arnaqueur sentimental. C'est signé de l'anthropologue et autrice Valentina Perry et elle est avec nous. Bonjour Valentina Perry. Bonjour Faouzi, bonjour à tout le monde. Et soyez la bienvenue sur Move. Alors, le brouteur, dans notre esprit, c'est un jeune de l'Afrique de l'Ouest qui est dans un cybercafé et qui cherche à escroquer des vieilles dames seules qui sont en Europe en leur promettant une histoire d'amour. Alors, vous qui avez remonté la filière, est-ce que c'est ce que vous avez vu ? Oui, effectivement. Le broutage, c'est un phénomène qui se concentre en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays. Moi, j'ai visité le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et les livres en question donc, s'occupent de la Côte d'Ivoire. Effectivement, le phénomène est né dans les cybercafés et en partie, ça continue aussi dans ces lieux, surtout pour les plus jeunes qui n'ont pas accès à un ordinateur ou un téléphone. Mais la plupart des brouteurs aujourd'hui, adultes, travaillent aussi des façons autonomes, donc individuellement, un peu partout. Donc ça suffit aujourd'hui un smartphone pour être un brouteur. Et c'est donc les personnes que j'ai rencontrées en Côte d'Ivoire, que j'ai interviewées, ça représente plutôt cette typologie de brouteur. Oui, puisque c'est une vraie enquête de terrain que vous avez réalisée. Vous vous êtes déplacé en Côte d'Ivoire, vous avez interrogé ces brouteurs. Ils vous ont dit quoi ? C'est quoi leur motivation ? Il y a l'appât du gain, mais pas seulement, hein. Oui, en fait, la première raison pour commencer ce business, en fait, c'est justement des difficultés économiques. Donc, une situation économique difficile et le broutage, si on a du talent, hein, parce qu'il faut quand même du talent pour être un brouteur de succès, c'est une solution accessible à beaucoup de personnes avec très peu de moyens. Comme je disais, il suffit d'avoir un ordinateur, un téléphone. Donc, je dirais que c'est la raison principale qui pousse beaucoup de jeunes, d'ailleurs même très jeunes, on parle même d'enfants ou de jeunes de 8 ans jusqu'à 30, 40, etc. C'est plutôt le fait qu'on peut gagner facilement de l'argent et on peut brouter un peu partout, le nord du monde, l'Occident, mais aussi en Côte d'Ivoire même. Donc, ça, c'est un phénomène qui s'élargit à tous les pays, en fait. C'est quoi avoir du talent pour un brouteur, pour reprendre vos mots ? Avoir du talent, ça veut dire déjà assumer un faux profil, c'est-à-dire utiliser des photos, des vidéos d'identité volées sur Internet, inventer un storytelling, le suivre et l'adapter au fur et à mesure selon la personne qu'on veut escroquer. Donc, les brouteurs appellent les victimes, c'est qu'on appelle les victimes en Occident, on les appelle clients. Donc, il faut savoir s'adapter aux besoins et au suivi. Et répondre exactement aux sentiments qui peuvent être développés de la part de la personne qui est par exemple en Europe. Ce qui m'a marqué aussi dans votre livre, Valentina, c'est que certes, il y a des brouteurs qui font ça pour gagner leur vie et voilà. Et ça, c'est totalement illégal et bon, c'est pas une première. Mais ce qui est aussi dingue, c'est que là-bas, il y a des brouteurs, ils veulent juste flamber. Ils veulent avoir une grosse voiture, bien s'habiller, ils veulent tout dépenser. Oui, en fait, c'est un aspect du phénomène très hédoniste qui est typique de la Côte d'Ivoire, mais aussi au Ghana, j'ai observé le même phénomène. Pour la Côte d'Ivoire, effectivement, oui, l'idée, c'est qu'on gagne une grande somme d'argent et le soir, on va dépenser tout cet argent en champagne, cigares, fêtes. On lance de l'argent sur les DJ qui animent les soirées. Donc, il y a vraiment des lieux spécifiques et des maquis et des clubs qui sont destinés aux brouteurs où il y a souvent des fêtes qui sont organisées pour se montrer, frimer et faire étalage, en fait, de ce qu'on a gagné. Et effectivement, ils peuvent dépenser tout l'argent qu'ils ont gagné du jour au lendemain et se retrouver paumés et recommencer encore et encore à faire la même vie. Ouais, ça, c'est assez stupéfiant. Hein. Et puis, il y a beaucoup d'autres anecdotes qui sont dans votre livre qui s'appelle « Le brouteur galant, manuel de l'arnaqueur sentimental ». Merci infiniment, Valentina Perry, d'avoir été l'invitée de Move ce matin. Je rappelle que vous êtes anthropologue et autrice. Passez une belle journée. Merci beaucoup, au revoir.